une différence entre décrire une personne et décrire une société. Il y a des gens qui savent décrire une personne, qui savent se focaliser sur un individu en particulier, sur ses particularités, etc. Et d'autres qui sont capables de décrire une société dans son ensemble, avec toute la même démarche, avec toute la même méthodologie. Une société, c'est un système, quelque chose qui est organisé structurellement. Pour une personne, c'est anecdotique, c'est un petit peu comme ça, empirique. Donc ce n'est pas la même démarche intellectuelle, c'est pas la même démarche scientifique. C'est l'opposition quelque part entre sociologie et psychologie. La sociologie est écartelée par cette problématique. La sociologie mondiale est une exception de la société, et la sociologie individuelle, comme son nom l'indique, c'est l'exception des personnes. Et la question de savoir qu'est-ce qui correspond mieux à l'esprit et au génie de l'astrologie, moi je pense que l'astrologie est d'abord vouée à décrire les sociétés et non pas les personnes.